Bienvenue, monsieur. Votre séjour sur Terre est donc terminé, puisque vous voici parmi nous. C'est la porte du paradis ou de l'enfer? C'est selon. Mais je croyais qu'on arrivait ici en bas. Vous êtes si nombreux en bas, il nous faut faire vite. Alors on fait des arrivées groupées. Qu'avez-vous fait pendant votre séjour sur Terre qui vous vaudra d'échapper aux flammes de l'enfer? J'ai vendu. Il a vendu son âme au diable. Non, j'étais vendeur. Alors dites-en. J'étais dans l'électroménager. J'ai vendu des aspirateurs si performants qu'ils déplacent les meubles tout seuls. Des machines à laver qui lavent. Repas sèches. Répondre au téléphone quand vous n'êtes pas là. Merci, oui. Monsieur Ducré. C'est bon. Latus. Moi. J'étais vendeur aussi. J'ai embelli la vie de mes semblables. Je leur ai vendu du rêve. Des étoiles dans les yeux, des morceaux de paradis. Ça m'étonnerait. Je vous l'assure, je leur ai vendu du vent, je leur ai même vendu des arcs-en-ciel. Merci, monsieur Latus. Des parapluies, des rouges, des bleus, des noirs, des parapluies à poids, des parapluies pour protéger de la pluie. Mes parapluies étaient bons. Un bon parapluie, c'est pour la vie. Enfin, c'est ce que je disais à mes clients. À moins de le perdre. Mais je ne le souhaitais guère. On s'attache tant à son parapluie. Mais vous avez été honnête? J'avoue, quand le commerce allait moins bien, j'ai souhaité qu'il pleuve. Beaucoup, longtemps, énormément. Alors comme ça marche encore le commerce des parapluies. Si vous saviez, mais... C'était notre premier groupe, le groupe numéro 72. Le thème qu'ils avaient choisi était leur métier. C'est le CFA, ils sont en BTS commercial. Voilà, des techniciens supérieurs. La mise en scène est de Cécile Leterme. Les comédiens sur scène ce soir étaient Maxime, Maxence, Jean-Pierre, Thierry, Dominique et Vincent.